Bonjour tout le monde et quel bonheur de vous retrouver sur Massa Délices. Aujourd'hui, je vous propose ma recette de mon gâteau café et chocolat. C'est un délice. Pour le préparer, voici les ingrédients. Alors, on a besoin de 5 œufs à la température ambiante de la pièce, donc il faut les sortir à l'avance du frigidaire, 3 cuillères à soupe de cacao, 3 cuillères à soupe de miel, une pincée de sel. Pourquoi le sel? Le sel, ça aide à rehausser la saveur du chocolat. Puis on a besoin d'une cuillère à soupe et demie de levure chimique, 2 cuillères à soupe de café instantané. Puis on prend la même tasse de 250 ml, la même tasse, on la remplit une d'eau, une de l'huile végétale, on la remplit de sucre mais moins 2 doigts vu qu'il y a du miel, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre. Puis on prend deux tasses de la même tasse, deux remplies de farine. Et on a besoin bien sûr d'un moule pour le préparer. Ok, maintenant on arrive à la préparation de notre gâteau. C'est un gâteau qui prend même pas 5 minutes pour le préparer. C'est pourquoi ça vaut la peine de l'essayer. Alors, pour le faire, on doit passer par deux étapes. La première étape, on mélange tous les ingrédients sauf la farine et la levure. Donc, la première étape, on mélange le sel, les œufs, le sucre, le miel, puis l'huile et le cacao et bien sûr le café dissous dans l'eau, café instantané. Donc, on l'ajoute aussi. Puis, on les mélange tous ces ingrédients pendant 2 minutes avec le batteur électrique. Donc, c'est très important de bien les mélanger avec un batteur électrique pendant 2 minutes. La deuxième phase, on prend la farine auquel on ajoute la levure chimique, puis on les mélange aussi avec le batteur électrique avec tous les autres ingrédients pendant 2 minutes. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on les met dans un four, puis dans un plat allant au four, pardon. Voilà, j'ai versé le mélange dans le moule qui est déjà beurré, donc je le mets au four à 350 degrés pendant 45 minutes. Il faut le mettre au milieu du four, pas en bas ni en haut. Voilà le gâteau, il est prêt, il est léger, il est délicieux. Je compte sur vous pour liker et partager. Surtout, prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre recette.